Oh, welcome les postos. On se retrouve pour une vidéo épurera d'une congratulation et équipe de France, les Bleus qui remportent la National League, qui s'impose 2-1 face à l'Espagne. Les postos, un match de folie. Les postos, victoire de la France contre l'Espagne dans un match qui a sombré dans la folie après une première période calme et dominée par la Roja, c'est-à-dire l'Espagne. Tout semblait emballé après l'heure de jeu où Mikel Oyarzabal a ouvert le score à la 64e minute, mais super but de Karim Benzema à la 66e minute et Kylian Mbappé à la 81e minute ont permis aux Bleus de s'imposer. Donc la France qui succède au Portugal et remporte la première Ligue des Nations, les postos. Ça a été un match incroyable. Donc, dans cette vidéo, les postos, on va débriefer ensemble le match entre la France et l'Espagne, les postos, les temps forts du match, tout ça. On va voir ça tout le long de cette vidéo, les postos. Donc, restez du début jusqu'à la fin parce que les postos, il y a du loup à venir. C'est parti, les postos. Donc, les postos, la France qui s'est imposée 2-1 face à l'Espagne dans un match de folie. Donc, la France qui succède au Portugal, le Portugal qui avait remporté la compétition en dominant les Pays-Bas 1-0, une belle performance que l'Espagne et la France voulaient imiter, les postos. Donc, le vainqueur de cette National League, à noter que le podium sera complété aussi par l'Italie qui a battu aussi la Belgique dans les heures passées, les postos. Donc la France qui succède au Portugal qui remporte sa première National League, les postos. Donc les postos, on va voir maintenant les temps forts du match, les postos. D'abord, on va commencer par les 11 des départs, par les 11 de la France, de l'Espagne et puis les belles occasions du match, c'est-à-dire les temps forts, les postos, c'est parti. Donc dans le 11 de l'Espagne, les postos, dans les 11 de l'Espagne, donc l'Espagne qui s'organisait en 4-3-3, voilà, un 4-3-3 avec Unai Simon et comme dernier remplaçant devant lui, on a César Azpilicueta, on a Aymeric Laporte, on a Eric Garcia et Marcos Alonso. Marcos Alonso compose la défense avec Spilicueta. On a en positionnement, on a en sentinelle, on a Sergio Busquets, les postos. On a Sergio Busquets ici en sentinelle et accompagné par Gavi, les postos, par Gavi et Rodri dans l'entrée du jeu, les postos. Et on voit en positionnement, en tant que 9, on voit Mikel Oyarzabal, les postos en position de 9, Mikel Oyarzabal. Forme l'attaque avec Fernand Torres et Pablo Sarabia, les postos. Donc dans les 11 de la France, les bleus, les poteaux du côté des bleus de la France, on poursuit avec un 3, les postos, 4-1-2 avec Hugo Lloris au poteau dans les buts. Et il peut compter sur Jules Koundé, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe en défense, tandis que le rôle de piston sont assurés par Benjamin Pavard et Théo Hernandez, Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni s'assure Tchouaméni, ouais, lui son nom ça me fatigue toujours. Donc avec Tchouaméni assure le double pivot, les poteaux. Donc on a le duo offensif, on a Karim Benzema et Kylian Mbappé en soutien par Antoine Griezmann, les postos. Donc c'était la composition tactile, les postos. Donc les postos, on va voir les temps forts du match là maintenant. Donc les postos, c'était parti à la première minute, c'était parti dans ce match entre l'Espagne et la France, suite au coup d'envoi sifflé d'Anthony Taylor, les postos, dont la Roja engageait avec Mikel Oyarzabal. À la 6e minute, on voyait Karim Benzema proche de marquer, lancé par Paul Pogba en profondeur à la limite du hors-jeu sur la droite de la surface. Karim Benzema crochette Unai Simon sorti de ses buts et centre devant la cage et devant les cages pour Kylian Mbappé. Le danger est repoussé en corner, les postos. Donc à la 12e minute, on voit la frappe écrasée de Pablo Sarabia trouvée sur le côté sur la droite et Fernand Torres repris dans l'axe se joue de Paul Pogba et glisse un joli ballon sur la droite de la surface pour Pablo Sarabia. L'ancien parisien tente une frappe croisée mais
elle est ralentie par Raphaël Varane, puis captée facilement par Hugo Lloris. Et dans les poteaux à la 42e minute, on a eu la sortie de Raphaël Varane et la rentrée de Upamecano. Donc Raphaël Varane qui était touché sur blessure, donc qui est sorti, qui a été remplacé par Upamecano, les poteaux. Donc il n'y avait pas eu trop grande chose à la première mi-temps, seulement que l'Espagne a dominé le match. Donc à la mi-temps, on avait un score de parité logique compte tenu du faible nombre d'occasions, au point que l'Espagne a dominé avec une meilleure possession et quelques mouvements intéressants, mais Hugo Lloris a vécu un début de soirée assez tranquille, dont les bleus n'ont pas été plus tranchants en première période. Ce sont les Espagnols plutôt qui ont été dangereux, les postos. Donc les postos, c'est tout ce qu'on pouvait dire à la première mi-temps. Donc à la deuxième mi-temps, donc c'était reparti dans ce match entre l'Espagne et la France, suite au coup d'envoi sifflé d'Anthony Taylor, les postos, dont les bleus engageaient maintenant, les postos. Donc à la 46e minute, on a eu un carton jaune pour Paul Pogba. Paul Pogba est averti avec une semelle sur Sergio Busquets au milieu du terrain, les postos. Donc les postos, à la 64e minute, on a Théo Hernandez fracasse la barre, les postos. Ça a été une occasion très 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 dangereuse. Donc contre pour la France avec Paul Pogba qui résiste dans le rond central et dégage sur la gauche Karim Benzema. Ce dernier transmet ensuite à Théo Hernandez, dont la lourde frappe fracassante la barre traversale de Una Simon, les postos. Dans les postos où on voyait maintenant que le match maintenant est engagé, à la 64e minute, on a bu de l'Espagne, les postos, passe décisive de Sergio Busquets et but de Oyarzabal, les postos, de Mikel Oyarzabal ouvre le score. Donc trouvé en profondeur par un ballon piqué de Sergio Busquets, Mikel Oyarzabal prend la profondeur et profite d'une mauvaise déviation de Dayon Upamecano pour rentrer dans la surface et assure Hugo Lloris. Donc c'était le premier but pour l'Espagne, les postos. Juste après, à la 106e minute net, on a but de Karim Benzema, super but, les postos, passe décisive de Kylian Mbappé, Kiki, le bijou parisien, les postos. Donc ça faisait 1-1 entre la France et l'Espagne. Donc Karim Benzema égalise. Donc contre français avec Paul Pogba qui lance sur la gauche pour Kylian Mbappé, dont ce dernier sert dans la surface Karim Benzema qui tricote et loge un missile dans la lucarne droite de Una Simon, les postos. Donc ça faisait 1-1, les postos, entre la France et l'Espagne. À la 68e minute, on a eu Kylian Mbappé au-dessus, lancé en profondeur sur la gauche par Théo Hernandez. Mbappé profite du fait qu'Una Simon est avancé et frappe vers le but, délaissé. Sa tentative passe au-dessus du cadre, les postos. À la 72e minute, nous avons eu encore une frappe molle de Kylian Mbappé, mauvaise passe espagnole, et Karim Benzema récupère haut devant la surface adverse. Il la décale sur la gauche de la surface et Kylian Mbappé donne le tir vers la gauche du but en ras de terre et capté par Una Simon, les postos. Dans les postos, à la 80e minute, but de Kylian Mbappé, les postos. Ce but que les Espagnols pensaient que c'était hors jeu. Or pourtant, le défenseur Eric Garcia avait touché le ballon, les postos. Il n'y avait pas hors jeu parce que ça a commencé à faire du polémique, les postos partout pour dire non que c'était hors jeu. Mais les postos, on avait bien vu après encore l'appel vidéo, la VAR encore est venu encore remontrer, mais il n'y avait pas de hors jeu parce que il y avait un défenseur Eric Garcia qui avait touché le ballon, les postos. Donc à la 80e minute, Kylian Mbappé donne l'avantage aux bleus, les postos, remuant sur la gauche, Théo Hernandez sert en profondeur, Kylian Mbappé sur la gauche de la surface, ce dernier se fend dans un passement de jambes
et devant Ounas Simeone et dépose le ballon au fond du filet, les Postos. Donc ça faisait 2-1 pour la France, les Postos. À la 85e minute, on a eu la sortie de Fernand Torres, la rentrée de Mikel Merino, on a eu la sortie de Rodri qui a été très très bon, on a eu la rentrée de Pablo Fornal, les Postos, bon, les Postos à la 89e minute, on a eu l'arrêt monstrueux d'Hugo Lloris devant Mikel Oyarzabal. Donc, long ballon de Marcos Alonso vers l'entrée de la surface plein axe. Il trouve Mikel Oyarzabal dont le tir en première intention vers la gauche du but est repoussé par Hugo Lloris avec autorité. Un arrêt extraordinaire pour le capitaine des Bleus, les Postos. À la même 69e minute, on a eu la frappe croisée de Kylian Mbappé contre Français avec Paul Pogba qui décale sur la gauche Karim Benzema. Ce dernier délivre une jolie ouverture pour Kylian Mbappé sur la droite de la surface et Julien le Parisien frappe fort et Ounas Simeone s'impose, les Postos. 90e minute, on a eu carton jaune pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est averti pour une faute de Jérémy Pinault. Les Postos, ils ont donné 5 minutes de temps additionnel. Ça a été chaud, les Postos. À la 92e minute, on a eu la sortie d'Antoine Griezmann, la rentrée de Veretout, les Postos. Les Postos, à la 94e minute, on a eu la demi-volée de Pablo Fornal, qu'on est frappé sur la gauche par l'Espagne et le ballon flotte dans la surface au second Postos. Pablo Sarabia Fornal tente une volé à bout portant qui est repoussé par Hugo Lloris de justesse, les Postos. Et c'était la fin du match, les Postos, dont une très 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 belle victoire de la France contre l'Espagne dans un match qui a sombré dans la folie après une première période calme et dominée par la Roga. Tout semblait emballé après l'heure de jeu où Mikel Oyarzabal a ouvert le score à la 64e minute, mais Karim Benzema à la 66e minute et Kylian Mbappé à la 81e minute ont permis aux Bleus de s'imposer, dont la France succède au Portugal et remporte sa première Ligue des Nations, la National League, les Postos. Dans les Postos, c'était un peu l'avant et c'était un peu les débriefs du match entre l'Espagne et la France. La France qui s'imposait 2-1 face à l'Espagne à San Siro. À Milan, au Giuseppe Meazza, les Postos. Donc, c'était un peu ça. Dans les Postos, si tu n'es pas encore abonné, les Postos, c'est le bon moment de t'abonner parce que si on partage, on commente, on s'abonne, les Postos, parce qu'il y a du loup à venir sur cette chaîne. On fait plein des débuts footballistiques, les Postos. Donc, abonne-toi et like si cette vidéo t'a plu. On partage, on commente, on s'abonne, les Postos. On se retrouve dans une vidéo. C'est F8 Radio. On est ensemble, les Postos. Ciao, ciao.